Nous terminons l'optique géométrique par une remarque concernant notre modèle des rayons lumineux. Un rayon lumineux qui traverse un prisme en verre est réfracté deux fois et décomposé en différentes couleurs, les couleurs du spectre de la lumière. C'est ainsi que se forme aussi un arc-en-ciel. Pour expliquer ces phénomènes, le modèle des rayons lumineux ne suffit pas. Il nous faudra le modèle ondulatoire de la lumière. Pour expliquer comment un panneau photovoltaïque transforme la lumière en électricité, ni le modèle des rayons lumineux, ni le modèle ondulatoire de la lumière suffisent. Pour cela, il nous faudra le modèle quantique de la lumière.